since we were doing a lot on water supply, of course, there are many standards which can be used, especially the one on water supply in general. But what I found very helpful is in the introduction of the WASH technical chapter, to have this diagram, which really shows well who's acting, and that the community and the community engagement and participation is at the center. This was a very good starting point. À ISB, nous utilisons les normes SFR comme référence incontournable dans une action humanitaire et pour aider le personnel sur le terrain à agir de façon éthique et suivant les bonnes pratiques qui ont été compilées et qui sont tout le temps révisées sur chacune des expériences dans les actions humanitaires. Déjà dans la mise en œuvre, on a toujours veillé pour que les principes et les engagements soient respectés, travailler pour la dignité des personnes, les personnes les plus vulnérables, respecter la question de genre, le handicap et tout ce qui doit alléger les souffrances des personnes. À niveau des standards WASH, on a travaillé sur la promotion de l'hygiène parce que on a toujours fait l'introduction de l'importance de l'eau potable pour la santé et tout ce qui a à voir avec les maladies hydriques. On a travaillé sur le standard 2, que c'est accès à l'eau et en quantité et qualité. Ça veut dire que nous avons fait la distribution de l'eau dans des endroits où il était difficile d'arriver. Et avec les Sky Hydro mobiles, on a pu réaliser ça, mais il fallait simplement qu'il y ait de l'eau, soit de la rivière, soit d'un puits.